regarderai. Des soldats français courageux, prêts à se sacrifier pour leur patrie. Ces hommes, c'était des héros. Mais ils n'étaient pas les seuls à combattre. Je vais vous raconter une histoire que vous ne connaissez pas. C'est pas possible. Si ils t'ont laissé t'engager, ça veut dire que ça va pas du tout, d'eh. Ils m'ont demandé de venir repousser les Allemands parce que tu es trop faible et trop vieux pour ça, Idrissa, regarde-toi. Alors tu es venu gagner la guerre tout seul, c'est ça? Si ça peut te faire du bien, va dire à ta femme que tu as aidé, non? Moi-même j'ai une femme, elle est trop jolie. Toi tu as quoi? On disait, nous sommes français. Nous sommes français. Mais une fois en France, nous avons vu à quel point nous étions français. On va faire ça jusqu'à quand? Jusqu'à ce qu'on ait fini. C'est tout? C'est tout ce que l'on va faire? Écoute, les choses ici sont différentes. À 7 ans, les Français lançaient tout ce qu'ils avaient vers un château occupé par des troupes allemandes. Et comme tout a échoué, notre jeune et ambitieux capitaine a décidé de nous porter volontaires pour s'emparer des canons anti-aériens allemands qui l'encerclent. Hey, hey! Il faut garder ton calme. Joue pas les héros. Hein? Reste en vie, petit frère. Thank you.
se sent minuscule face à la guerre. Une autre flamme prête à se faire écraser. Mais moi, je me répétais tout le temps. Non, pas moi. Je suis d'aimé. Je suis d'aimé. Et Dieu me viendra en aide.
Bulgares n'étaient pas toujours bien équipés. Fallait fouiller, ramasser, improviser. Je me disais, Démé, faut trouver quelque chose. Trouve un moyen pour que ça marche.
Zeit, Soldat! Da drüben! L'équipement était souvent de mauvaise qualité, pas adapté. Fallait apprendre à improviser, fouiller, bricoler. Je me disais, à l'aide aimée, cherche, trouve un moyen pour que ça marche. Sauvera des vies, de vraies vies. C'est concret, c'est réel. On sait qu'on a fait quelque chose de bien. Alors on se raccroche à cette idée et on rejoint la boucherie. Ennemi est droit devant. On sait que ce combat sera pas facile. Enfin, c'est ce qu'on croyait. Mais en vrai, on n'avait aucune idée de ce qui allait se passer. Tous emportés par l'euphorie de cette surprenante victoire. Même après toutes ces années, je m'en souviens encore très bien. Mais j'ai toujours une boule au ventre quand je repense à ce qui nous attendait. Ennemi repéré!
les vois. Les Allemands arrivent. Et voilà! L'aide arrive. Une traînée dans le ciel bleu. Ce pilote sera récompensé. Et nous, non. Mais on ne le sait pas encore. À ce moment-là, on avait juste envie de remercier cet inconnu et son courage. Laisse-le partir, petit frère. Idrissa, est-ce qu'on a gagné? Ils ont tous fui. Alors, sauf s'ils ont changé les règles du jeu. Waouh, on a gagné. On a gagné? Cessez le feu! On a gagné. On a gagné! On les a eus! On les a battus! On a gagné! On a gagné! Surveillez les arbres là. Rassemblez les armes et les munitions. Idrissa, attends. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Viens, on y va. Il faut qu'on continue là. Faut te reposer, petit frère. Tu es vivant. Peut-être ils nous donneront une médaille de... Mais il faudrait prendre ces canons pour recevoir une médaille. Démé, on n'a pas de commandant. On ne peut pas avancer sans soutien. Tu en es sûr? Idrissa, tu es comme moi, allons!
Allons les combattre. J'ai une famille, des enfants. Mais regardez-vous, on a déjà fait mieux que les meilleurs soldats français. Alors je vous pose la question, de quoi d'autre sommes-nous capables? Si on avance, et si on neutralise ces canons, les livres d'histoire parleront de nous, de la reconnaissance, du respect pour nous, pour nos enfants. Alors on va prendre ce poste et leur montrer à tous qui nous sommes vraiment. Allons-y! 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 Eh bien, on peut dire qu'ils ont adoré mon discours. Alors, on a avancé. On s'est dispersé et déployé pour atteindre les canons le plus discrètement possible. À un moment donné, on a été séparés des forces principales. Je suis parti les chercher de mon côté pour qu'on aille attaquer la batterie principale. Il doit bien y avoir quelqu'un en vie là. Mon Dieu, repose en paix, mon frère. Les Allemands ne pourront plus communiquer entre eux.
Ils sont tous morts. J'arrive trop tard. On peut jamais s'enlever cette pensée de l'esprit. Barrage droit devant, avec des gardes allemands. Essayez de communiquer maintenant. Merde, il y a une patrouille là-bas.
tant de vies perdues. Il ne doit pas y avoir beaucoup de survivants ici.
les victoires sont des îlots sur une mer de sang. Et nous, on navigue sans rien voir à l'horizon.
anti-aérien. Thank you.
canon suivant. À l'attaque! Thank you.
Idrissa! Idrissa! Te voilà! Je savais que tu t'en sortirais! Regarde ça! C'est ça que tu voulais, hein? Je t'avais dit qu'on ne devait pas avancer sans soutien! Mais on a gagné! Les Allemands prennent la fuite! Ne vous approchez pas, espèce de Schweinhund! Vous n'avez pas gagné. On n'a pas part en retraite. Vous allez crever. Vous êtes cernés. On va contre-attaquer et vous écraser. Personne ne saura jamais que vous étiez là. On va mourir. Ma femme, mes enfants. On va mourir. Regarde ses yeux. Tu veux vraiment que ce soit lui qui gagne? Il nous déteste parce qu'il pense qu'on est inférieur. Si on recule maintenant, tous ces hommes seront morts pour rien. Attends. Il pense qu'on va rester là, ou bien battre en retraite. Le plus gros de leur force se trouve dans les bois, donc... Quel est le dernier endroit où ils s'attendent à nous voir? Imagine leur tête si on arrivait à se faufiler par l'arrière et qu'on le capture. Ce sera quelque chose à raconter à nos enfants, Idrissa. Surtout toi qui es très vieux maintenant. À leurs yeux, on passera pour des rois. Tiens, petit frère. Ça me plaît bien ce que tu dis là. Des émetteurs radio là-bas. Et des canons de campagne sur cette colline. Ça va être un sacré boulot de tout saboter. Démé.